Eh bien, bonjour et bonjour à tous et à toutes. C'est KiritoKnight064, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, car il s'agit en fait d'un test. De mon tout premier test, en fait, sur AOT, Wings of Freedom, à savoir l'adaptation en jeu vidéo du manga L'Attaque des Titans. Mais ça, je pense que vous en êtes douté. Donc au programme, scénario et contenu, graphisme, bande-son, gameplay. On va essayer de passer tout ça en revue pour voir si le jeu peut vous plaire ou pas. Sachant que pour moi, ça a été quand même une sacrée claque au niveau du gameplay. Allez, c'est parti. Commençons par le scénario et le contenu du jeu. Niveau scénario, il reprend du coup l'intrigue de la première saison et il fait ça de manière très très bien fichue. Sur ce, je vous laisse avec une vidéo du scénario du début pour que vous vous rendiez compte un petit peu du travail qui a été fait côté scénario. Je vais y arriver. エレン、立体軌道のコツはつかめたか。いや、対人格闘術ならライナーに負けねえけどな。お前だって兄に投げ飛ばされてただろ。なんならまた投げ飛ばしてあげるよ。兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。 じゃあ、そんなに点数が大事かよ。当たり前だろ。憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ。俺たちは真面目に訓練をやり抜いて、内地で快適に暮らすんだよ。のう？あ、いや、僕は。何のための訓練だと思ってんだ、クズが。何だと？二人とも。 落ち着きなよ。巨人から遠ざかることしか考えてねえ兵士なんている意味ねえだろ。俺は現実を見てるだけだ。お前みてえな死に急ぎ野郎とは違うんだよ。エレン、やめて。くそ。おい、ちゃん。
お前の志望は調査兵団だったな。ああ。俺は調査兵団に入って、この世から巨人を駆逐する。その後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き、卒業の日が近づいていった。Il y a quelques libertés scénaristiques, mais c'est bien la scène de la dispute entre Eren et Jean. Bien, passons maintenant au contenu du jeu. Le mode attaque est en réalité le mode histoire qui va vous faire revivre les événements du scénario de l'attaque des titans durant la saison 1. Un mode scénarisé vachement bien qui propose quelques surprises à la fin. Le mode attaque véritable, c'est la même chose que le mode attaque, mais dans une version hardcore, vraiment difficile. Il est débloquable une fois seulement après avoir terminé le mode attaque. Préparez-vous bien avant de vous attaquer à ce mode-là. Le mode expédition, c'est un mode un peu particulier dans lequel vous pouvez sélectionner votre personnage. Parmi, ils sont 11, 13, je sais plus exactement, parmi les plus célèbres de la saga, pour accomplir des missions. C'est également là que vous trouverez également le mode multijoueur. Probablement le mode dans lequel vous allez passer le plus de temps. Ensuite, eh bien, nous avons la galerie. La galerie qui est le mode bonus dans lequel vous pouvez retrouver les vidéos, la description des personnages, du monde. Si vous ne connaissez pas du tout le manga, vous trouverez beaucoup de documents à l'intérieur. Ça peut vous être utile. Les options, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et téléchargement pour tout ce qui est contenu téléchargeable, missions supplémentaires et costumes pour les personnages. Bien, je pense que je vais vous montrer un petit peu de mode expédition. Alors, on va commencer par le choix du personnage. Donc ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on a Eren Yeager, le héros principal de la série, qui a la particularité de pouvoir se transformer en titan. Un personnage que j'apprécie beaucoup beaucoup. Mikasa Ackerman, mon personnage préféré que j'utilise le plus souvent. Elle est capable de faire des combos d'exécution en appuyant sur la touche triangle. Un personnage vraiment badass. Armin Arlette, le troisième héros principal avec Eren et Mikasa, est un peu spécial parce qu'il fait très très peu de dégâts. C'est plus un capitaine qui, avec une certaine touche, vous allez pouvoir donner des ordres à vos équipiers pour que eux exécute les titans à la place d'Armin, car lui fait trop peu de dégâts. C'est un petit peu un stratège. C'est assez différent à jouer, mais c'est pas mal. Jean, la tête brûlée, un personnage que j'apprécie beaucoup, a un petit peu un rôle de leader également. C'est un personnage assez standard, j'aime beaucoup le jouer, mais il n'a rien d'exceptionnel. Ensuite, nous avons donc Connie Springer, qui se joue un peu pareil que Jean, rien de notable. Sasha Bros, celle qui mange tout le temps dans la série. Rien de notable non plus. Crystal Lens, je crois qu'elle n'a rien de spécial non plus. Levi, le lieutenant Levi est vraiment peut-être le plus cheaté du jeu. Comme Mikasa, il est capable de faire des exécutions en triple. La folle, Angie Zoe, rien de notable à dire dessus. Et enfin, Erwin Smith, qui, comme Armin, est capable de donner des ordres en tant que leader. Donc nous allons commencer par Mikasa et je vais vous montrer un peu de gameplay. Détaillons tout ça ensemble. Alors, dans les hubs centrales, il n'y a pas grand chose à faire, à part se préparer à la bataille, crafter votre équipement, acheter de nouveaux équipements tant qu'à faire, acheter mais vendre aussi des objets, personnaliser vos canassons. Changer de costume, accepter vos missions, mais surtout souffler un petit peu entre chaque mission parce que certaines sont drôlement tendues. Maintenant, parlons des missions. Oui, je voulais vous montrer aussi les temps de chargement qui sont un petit peu longs. On va en voir un au complet ensemble, histoire de vous faire une idée parce que ça rebute certains joueurs. Mais les temps de chargement de l'angoisse sont... Il avance. Il y est presque. Allez, et allez. On est parti pour la mission. Alors, le gameplay, vu comme ça, c'est super impressionnant. On tend les câbles, comme dans l'animé, c'est exactement le même système de déplacement. Donc, on se déplace avec les câbles, avec carré. Attention, comme dans les jeux Spider-Man, par exemple, il faut que le grappin ait un point d'attache, comme la toile du tisseur. C'est exactement pareil. Vous ciblez un titan avec la touche R1. À partir du moment où vous le ciblez, si vous appuyez sur la touche carré pour lancer les câbles,
ils s'attacheront automatiquement au point ciblé du titan. Ça peut être la nuque, mais ça peut être aussi l'un des deux bras ou les jambes. La touche triangle sert à lancer le coup de lame. Il faut le faire avec le bon timing. Voilà, Mikasa est capable de comboter, donc c'est pas un souci. Donc vous ciblez avec R1, vous accrochez le câble avec carré, vous avancez vers lui, et dès que vous arrivez au niveau de l'intersection, le genou par exemple, ou le bras ou la nuque, vous appuyez sur triangle pour sectionner la partie du corps en question. La touche croix sert également au turbo, si jamais. Vous pouvez donc vous accrocher avec le câble à n'importe quelle surface à partir du moment où il y en a une. Là, je cible le titan, j'appuie sur carré, je mets un petit coup de turbo avec croix et triangle pour l'exécuter. Les environnements sont détaillés et respectent parfaitement du coup l'anime. Nous sommes bien à l'intérieur de la ville entre les murs. Alors, je sais plus si c'est pas le district Trost, je crois pas. C'est le troisième qui est derrière le mur. Le mur, que je dise pas de bêtises, Sina, je crois. Donc là, je suis allé vers un point d'interrogation vert, qui sont des quêtes annexes durant la partie. Et là, il s'agit d'une mission d'escorte. Je dois protéger donc ce noble qui court d'une éventuelle menace de titan. Et vous pouvez y aller, ils vont forcément popper. Voilà, et bien il a popé. On met le paquet. Je reviendrai sur ça un peu après. Donc, on protège l'aristocrate. Hop. Alors là, il n'y en a qu'un, mais j'imagine qu'il n'y en a pas qu'un. Les autres vont arriver plus tard. Il faut se dépêcher quand même, parce que vous avez en haut de la carte qui est à droite une jauge bleue et une jauge rouge. La jauge rouge, c'est le nombre de titans qui restent encore sur la map. Et la jauge bleue, ce sont nos défenses. Si la jauge bleue tombe à zéro, on a perdu la partie. Les titans, pendant que nous on fait des trucs, les titans bouffent nos alliés. Donc il faut faire quand même les choses assez rapidement. Bien, passons à autre chose. Côté gameplay, il est également possible d'utiliser des canons avec la touche rond. Vous grimpez dans le canon et vous visez la tête du titan en appuyant sur triangle. Et voilà, et ça les tue sur le coup. Donc il est possible d'utiliser donc des canons. Autre interaction. Sur le terrain sont disposés des pièges. Vous pouvez forcer le titan, voilà, à marcher dessus. Ça a déclenché le piège et du coup il s'est retrouvé coincé et ça a été bien plus facile de s'occuper de lui. Allez, allez. Quand on se fait attraper comme ça, il suffit de mitrailler triangle pour se libérer, c'est une QTE. Mais il faut être très réactif parce que le titan ne met pas longtemps à vous manger. Et s'il vous mange, bah, c'est le game over, tout simplement. Ah, chose très intéressante. Bon, on va déjà se soigner. J'ai des potions de soin avec la flèche du haut, tant qu'à faire. On va remettre des bonbonnes de gaz. Tout ça, ça se fait avec les flèches directionnelles. Je switch entre les différents équipements que j'ai avec les flèches de droite et gauche. Et je peux les utiliser avec la touche haut. Là, on se dirige vers le point d'exclamation gris sur la carte avec la fumée noire. Parce qu'on a tué beaucoup de titans et accompli tous les objectifs annexes. Et du coup, on a débloqué la soumission désespérée, qui est un titan bien plus balèze que les autres qu'il faut attaquer en plusieurs fois, car il est très résistant et on peut pas s'attaquer directement à sa nuque. On doit d'abord lui briser soit les bras, soit les jambes. Et chaque partie de son corps a pas mal de vie. Donc d'une certaine manière, c'est un boss. Ah, il m'a encore attrapé. On se libère. On prend l'objet de soin. Parlons maintenant de l'attaque spéciale avec la touche R2. C'est un boost qui permet de devenir invincible pendant une certaine période. Vous avez également le turbo illimité et les lames infinies. Et vous avez les dégâts qui sont doublés. Donc autant dire que vous êtes en mode berserk en quelque sorte. Pendant toute la durée, voyez la jaune à côté du portrait de Mikasa, la jaune à gauche qui descend petit à petit. Une fois vide, le mode berserk s'arrête et il faut découper des membres de titan pour pouvoir la remplir à nouveau. Allez, on va pas mettre longtemps à la voir. Parlons maintenant de la fin des missions pour terminer un niveau. Pour finir un niveau, il faut se diriger vers la fumée rouge avec le point d'exclamation rouge.
Si vous vous y dirigez, mais vous pouvez le faire dès le début de la partie, la cible de soumission finale apparaît. C'est le titan à abattre pour terminer votre mission. Vous pouvez le faire dès le début. Là, durant la partie que je vous ai montrée, j'ai fait toutes les missions annexes et zigouillé un maximum de petits titans d'abord. Mais vous pouvez très bien aller vers ce point d'interrogation rouge dès le début. En revanche, votre note et votre rang à la fin de la mission baisseront en fonction du nombre de titans que vous n'avez pas réussi à battre, bien sûr. Parce que bien sûr, vous avez un rang de... Je crois que c'est de E à S. E, D, C, B, A, S. Une petite note quoi à la fin de votre mission. C'est très pratique pour le... C'est très bien pour le scoring si vous aimez faire du score dans le jeu. Allez, on va vite en terminer avec celui-ci. Et on va passer à un autre point du test. Non, 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 mais arrête de ramper. Hop là. Maintenant, parlons des graphismes. Si les personnages et les environnements sont reproduits avec une fidélité bluffante, le moteur utilisé, on va pas se le cacher, pour de la PlayStation 4 est un petit peu dépassé, mais il fait bien le taf quand même. On reconnaît aisément les personnages et on se retrouve, je pense, avec des graphismes bon niveau PlayStation 3, mais le tout va bien et surtout, surtout, le jeu tourne, je crois que c'est du 60 FPS constant tout en restant très joli et très fluide et ça fait plaisir. Donc, pour ce qui est de la modélisation et des décors, c'est vraiment, vraiment très, très réussi pour ma part. Voyez un petit peu l'animation de Mikasa et ses différents... je vais vous montrer ses différents costumes après avoir fait un tour des voies. Franchement, c'est bien fichu. Franchement, on a vu pire, mais on a vu aussi mieux. Et on va passer pour moi au point qui est le plus important maintenant. La bande son, tout simplement. Alors, les musiques, parlons-en. Je vais vous laisser écouter un petit morceau. La musique que vous êtes en train d'entendre est bien un morceau tiré du jeu et elles sont quasiment toutes de cet acabit, de quoi vous donner des frissons pendant les combats. Les musiques pour les scènes un peu plus cool sont également très très réussies et certaines nous font même sourire dans certaines situations. Franchement, côté sonore, pour ma part, c'est un sans faute. Maintenant, passons au bilan. Vous l'aurez compris, l'attaque des titans, le jeu vidéo, est un jeu vidéo qui m'a bien marqué et c'est pour ça que je lui ai accordé la note de 17 sur 20.